Alors, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Ça fait extrêmement plaisir de vous voir connecté ce matin. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Je vais faire ce duplex avec quelqu'un du côté de Paris, du côté de France particulièrement. Donc, on va parler aujourd'hui de la pétition qui a été lancée, ça fait quelques heures déjà, et qui a déjà plus de 2000 personnes abonnées qui ont signé. Il faut que nous mettions ça au... Il faut qu'on remplisse ça aujourd'hui. Il y a encore quelques 300 signatures qu'il faut, peut-être plus même. Mais je crois que, j'espère que pendant ce direct ensemble, nous allons essayer d'apporter le maximum de signatures à cette pétition-là. Donc, déjà, rebonjour encore à tous ceux qui sont connectés. Nous allons partir du côté du studio de France. Beaucoup, vous voyez déjà avec qui je suis là-bas. Donc, ça... Alors, du côté du studio, est-ce que c'est bon? C'est bon chez toi? Il faut que tu ouvres ton microphone pour que les gens puissent t'écouter. Hein. Je te lance vite du côté du... Voilà, c'est bon. Moi, si tu m'écoutes, moi ça va. Je vais dire comme ça là bonjour à tous nos compatriotes du 237 et puis de la diaspora qui me suivent à cet instant. Franchement, il faut qu'on mette tous la main à la pâte pour cette pétition, car elle est vraiment primordiale pour la suite de ce combat. Il s'agit d'un problème de bras de fer entre une dictature française, une dictature camerounaise et le peuple du renouveau, le peuple du changement. Merci à toi, Céline. Merci à toi. C'est moi qui te dis merci. Donc, vous avez suivi, je suis avec Nino. On va parler aujourd'hui de la pétition. Donc, sur mon téléphone ici, j'ai un écran retour qui me permet de savoir si les gens sont connectés et qui sont en train de signer la pétition. Alors, de prime abord, déjà, je vais dire bonsoir et bienvenue à tous ceux qui sont connectés. Nous sommes environ 25. Je vois Kevinou qui est là, je vois Flav qui est là, je vois Sadio qui est là. N'hésitez pas de partager quelques mots là pour qu'on vous voit et qu'on vous dédicace quelque sorte cette soirée-ci. Bonsoir à toi, mon ami Cochon Cochona, Cochon Cochona Teta. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Mettez un petit mot comme ça qu'on vous identifie. Tout de suite, je vais mettre le lien de la pétition. Comme ça que chacun de vous, du moins ceux qui n'ont pas pu avoir la possibilité de signer cette pétition, puisse le faire maintenant. Maintenant, parce qu'il faut que, avant même, bonjour à toi Solo Boumaye, bonjour à toi Kevinou, il faut que tous ceux qui sont connectés au Cameroun aujourd'hui, je dis bien tous ceux qui sont connectés au Cameroun, aient signé cette pétition. Tous ceux qui sont dans la diaspora doivent avoir signé cette pétition. Donc, avant que je n'arrête cette émission aujourd'hui, on doit voir au moins, je dis au moins 100 nouvelles signatures. Ça ne coûte rien. Donc, je vais mettre le lien de la pétition ici dedans. Et chacun de vous va signer cette pétition. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Il faut que cet ambassadeur, avant d'entrer à la CIA TV, avant d'entrer à la CIA TV, sache déjà. Il faut que cette personne, avant d'entrer à la CIA TV, sache déjà que dès qu'elle sort de la CIA TV là, c'est la démission effective. Donc, pour ceux qui ont le lien, n'hésitez pas à mettre là le temps que je cherche dans mon téléphone. Mettez le lien là, je vais épingler directement. Donc, allez-y, signez cette pétition massivement. Partagez le direct déjà. Partagez le direct. On doit faire signer cette pétition par tout le monde. Le temps que je cherche le lien, je vous renvoie vers Nino. Allô, Nino? Oui, Stevie. Oui. Vraiment, franchement, chers amis combattants, comme Stevie l'a si bien dit, lui vous a même parlé de sang. C'est-à-dire qu'il est trop gentil avec vous. Moi, je dirais le double des vues qu'aura ce monsieur Filou, ce monsieur Ibou, ce monsieur Gorou. Une fois à la CIA TV, le nombre de vues qu'aura ce monsieur, s'il s'agit de 4 000 vues, avant la fin de son interview ou de son entretien avec ce sardinat en chef Ibrahim Chérif, nous, combattants, nous devrons déjà avoir signé le double de ses vues, c'est-à-dire 8 000. Si ce monsieur a 4 000 vues, nous devrons déjà avoir 8 000 signatures avant qu'il ne quitte ce studio. Et il va franchement de notre crédibilité. Nous ne demandons pas de l'argent. Nous ne demandons pas que vous soyez dehors devant la CIA. On demande la chose la plus simple, la plus sincère. Juste une seconde sur ton téléphone, sur ton mobile, tu as signé. C'est vraiment de ça qu'il est question, chers frères et sœurs. On doit envoyer un message si fort. Si fort que Élysée doit trembler, parce qu'ils doivent savoir
que dorénavant, la jeunesse du 237 de 2020, ce n'est plus cette jeunesse de 1958, ce n'est plus cette jeunesse des années 60 avec le Gabonais, avec le président gabonais, avec le président ivoirien, comme le disait si bien, si très bien dans son direct hier, le grand frère Jean-Pierre Mugomo. À toi le studio, à toi Stevie Sam. Merci encore à toi Nino. Donc, vous avez suivi les paroles là de Nino. Je viens exactement d'épingler le lien. Donc, pour tous ceux qui sont connectés, n'hésitez même pas une seconde. Le lien est sur votre page maintenant, Stevie Online TV. Allez-y, cliquez sur le lien. Signez cette pétition directement. Je vais recevoir une mention si vous signez. Donc, allez-y. On va mettre un compteur. Je vais voir les gens qui signent cette pétition-là. Parce que vous encouragez, vous dites tous les jours, vous nous demandez chaque jour en inbox comment vous pouvez faire pour soutenir la révolution. Stevie, comment je peux faire pour soutenir? Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? D'autres disent, je n'ai pas le courage de sortir. Je n'ai pas la possibilité de faire ci. Voici donc le seul moyen pour vous de soutenir cette révolution pour le moment. Déjà, en ayant une action concrète. L'ambassadeur de France au Cameroun, si vous estimez que c'est lui qui va remplacer Biya maintenant, laissez cette pétition. Mais si vous êtes d'accord avec nous qu'il faut qu'on donne un message à la France, qu'on passe un message à Emmanuel Macron, qu'on passe un message à ce Guilou Filou là, qu'on passe un message à tous ceux de la France-Afrique là, c'est le meilleur moment maintenant. Il faut que ce monsieur, en entrant à la CHTV dans quelques instants là, qu'il reçoive une copie de la pétition que nous avons signée. Donc, le lien est là en épinglé. Allez-y vous. Merci encore à toi qui viens de signer la pétition. Je viens de voir une personne qui a signé la pétition. Allez-y, continuez de signer cette pétition. Le nombre doit monter. On n'est qu'à une signature là depuis. Allez-y, faites vite. Comme ça, avant que l'émission ne commence, que tout le monde puisse envoyer le lien de cette pétition à la CHTV même. Comme ça, quand elle va ouvrir, elle va voir qu'il y a plus de 5000 personnes qui veulent que cet ambassadeur la parte. Donc voilà un acte concret. Il ne s'agit pas de retirer votre argent pour donner. Il ne s'agit pas de soutenir qui que ce soit. Il s'agit juste de défendre la souveraineté de votre État, le Cameroun. Vous n'avez pas besoin de faire des live Facebook comme Nino et Stevie. Faites juste, cliquez juste sur le lien qui est là épinglé. Allez-y, inscrivez-vous, souscrivez pour que l'ambassadeur du Cameroun en France, pour que l'ambassadeur de la France au Cameroun soit démis de ses fonctions parce qu'il a fait un mensonge gros et grotesque. Gros et grotesque. Donc, mes frères, n'hésitez pas. Si vous avez signé, partagez cette signation à d'autres personnes. Si vous avez fini de signer, envoyez-les dans vos groupes WhatsApp. Envoyez-les dans des groupes partout où vous êtes. Il est nécessaire qu'on signe ces pétitions-là. Donc, mes frères, aujourd'hui avec Nino, on est venu parce qu'on voulait absolument partager ça avec vous. Il fallait absolument qu'on échange avec vous pour cette pétition-là. Donc, on attend encore. Deuxième pétition signée. C'est bon, merci. Continuez de signer. On a besoin de beaucoup de signatures ce soir. Je vais encore guetter du côté de Nino. Allô, Nino, de ton côté, je ne sais pas si ça avance. Tu as les chiffres là-bas chez toi. Chez moi, ici, je vois deux personnes qui ont signé. Oui, Stevie, moi, j'ai vu là également. J'ai déjà 6 personnes là et même qui m'envoient des petits mots d'encouragement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce que nous sommes en train de faire là, c'est primordial. C'est un pas de plus dans le dans la panoplie des actions que les combattants camerounais et de la diaspora sont déjà en train de mettre sur pied depuis plus de 24 heures déjà. Je vais vous rappeler quelque chose. Allô? Oui, on t'écoute 5 sur 5, Nino. Oui, je vais vous rappeler quelque chose. Vous saviez déjà, il ne suffit pas de faire 50 000 directs pour vous démontrer la mainmise de la France sur l'État camerounais. Je dis bien sur l'État camerounais. Parce qu'il n'y a pas de mainmise sur la France, sur nous, sur vous, sur vos mentalités. Non, c'est sur cet État camerounais et cet État illégitime. Rappelez-vous, la seule sortie de M. Macron, il y a de cela quelques mois, ici, là, au Salon de l'Agriculture, a dit et a montré au monde entier que cet État, que ce gouvernement français avait la mainmise sur cet État. Quand ce président a si bien dit, j'ai donné l'ordre, c'est-à-dire c'est cette France-là qui gère cet État. Je parle bien de cet État, ce gouvernement, ce ministre. Je ne parle pas de Campo, je ne parle pas de vous qui m'écoutez. Ce gouvernement-là a la faculté, a la capacité, a le plein moyen de gérer ce gouvernement, car ce gouvernement, ce sont des sardinats comme eux, les Français. Mais vous et moi, nous avons la compétence de dire stop.
parce que nous sommes de la nouvelle génération. Nous sommes des hommes de pied. Nous ne sommes plus des crevettes. Alors, chers frères et sœurs, à l'instant où je serai en train de sortir une seule phrase de ma bouche, ça ferait déjà 10 signatures. Un seul mot de ma bouche ferait déjà 5 signatures. Alors, je vais remercier les 12 personnes qui viennent de signer. Je vais remercier toutes ces personnes-là qui sont en train de chercher ce lien dans leur téléphone, à l'instant où je suis en train de parler. Parce que la France ne représente pas les idéologies du Camerounais normal, du Camerounais désireux du changement. Il ne représente pas Civissam, il ne représente pas le BFR, ni toutes les autres entités. Vous avez vu depuis près de 6 jours, toutes les entités sont d'accord. Ils supportent entièrement les initiatives des uns comme des autres, ou des unes comme des autres. Cette pétition-là, elle est supportée, elle est approuvée par presque toutes les entités. Donc, raison pour laquelle, chers frères et sœurs, mettons tous la main à la pâte. À vous le studio, à vous Civissam. Ah, merci encore à toi. Donc, pour tous ceux qui sont connectés, je vous dis, je viens de recevoir la 3e signature. Vous voyez, voilà comment ça se voit en email. Donc, quand vous signez, vous voyez les parties rouges là. C'est l'organisation qui s'appelle Change. Donc, Change. Or, quand vous signez, je reçois un message. 3 signatures, c'est très peu pour moi. Donc, connectez-vous encore. Continuez de partager ces signatures. Envoyez-les à vos amis. Envoyez à vos proches. Il faut que les Camerounais signent cela massivement. Vous vous plaignez chaque jour. Vous ne savez pas quoi faire. Voici un moyen simple pour vous donc de soutenir le Cameroun et de donner une bonne claque à ce gouvernement français, si on peut le considérer comme étant l'état des droits de l'homme, quand il faille parler des droits de l'homme. Parce que quand il y a l'Afrique, on a l'impression qu'on parle des droits de l'homme, du respect de l'humanité, sauf d'où il y a le noir. Donc, c'est à nous aujourd'hui de reprendre notre souveraineté en main. Et pour le faire, il n'y a pas 4 chemins. On ne passe pas les moyens que nous avons d'abord à notre disposition. L'ambassadeur Guilou a utilisé son image, son accréditation pour aller, ou bien disons sa lettre de créance, pour aller créer un pôle bien fictif. On vous a démontré pendant toute une semaine, avec des vidéos bien organisées, que ce gouvernement avait créé un faux BIA pour justifier les intérêts d'une France. Alors, ils ont peur de déclarer la vacance du pouvoir. Ils nous ont dit pendant des semaines que nous sommes des menteurs parce qu'on avait dit que Paul Biya n'était plus. Ils nous ont pris pendant des semaines pour des votes, pour des moins que rien. Ils nous ont pris pendant des années pour des perdus, pour des hybrides culturels. Alors aujourd'hui, on a une première dans l'histoire du monde entier. On a un ambassadeur français qui va aller représenter, parler à la place et lieu d'un président. Considérons même que Biya soit président. Mais aujourd'hui, Maurice Kamto, qui est deuxième à l'élection présidentielle, n'est pas écouté. C'est un ambassadeur français qui va venir tenir un discours au Cameroun, à la place et lieu des Camerounais qui sont censés se battre pour la vie du Cameroun. Je crois qu'on est en train de toucher le fond en ce qui concerne l'ignorance sociale au Cameroun. On est en train de toucher le fond en ce qui concerne la prise de conscience souveraine au Cameroun. Donc, je crois que tout ce pourquoi nos ancêtres sont battus, les Douala Mangabel, je peux pour citer les Douala Mangabel, les Oum Niobe et consorts et tous ses amis sont battus parce qu'ils voulaient enfin abroger, mettre fin à ce genre de politique-là de façon qu'on ait des hauts commissaires au Cameroun. Alors, si c'est une guerre ouverte que la France veut nous faire pour annexer le Cameroun, mais qu'ils le disent officiellement, mais pas qu'ils nous prennent pour des idiots. Donc, signez cette pétition, le lien est en bas de votre écran. Signez cette pétition, cliquez dessus, vous allez voir les instructions, c'est en 3 étapes maximum. Vous signez cette pétition et c'est fini. En signant ça, vous envoyez le lien à d'autres personnes sur Facebook, Messenger, WhatsApp, Twitter, partout où vous êtes abonné, vous avez des amis. Envoyez-les dans les groupes, partagez-les au maximum. Il faut qu'aujourd'hui, avant d'entrer en studio de la CRTV, que ce monsieur sache déjà que les Camerounais ne sont pas avec lui et que c'est une guerre totalement ouverte. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport aujourd'hui. Continuez de partager ça. Je regarde mon téléphone de temps en temps. Quand je regarde de temps en temps, je passe la parole à Nino de l'autre côté. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de travail qui est fait en ce moment-ci. Merci à toi, Kali, celle qui vient de signer. Merci à toi. En ce moment-ci, il y a beaucoup de travail qui est fait du côté du BFR. Donc, on est en train de préparer une vidéo là. On va vous dire comment est-ce que vous pouvez vous comporter du côté du Cameroun pendant ces temps aussi difficiles. Donc, on va revenir plus tard. Mais aujourd'hui et maintenant, on parle d'abord de la pétition. Alors, Nino, comment ?
Bon, ben voilà, Stevie, comme je tenais bien, si bien à le rappeler, chers frères et sœurs, que le président de la France, lui-même Emmanuel Macron, est celui-là qui a martelé bien dans son discours, bien même avant d'autres ou après d'autres présidents qui ont toujours dit non à l'ingérence de la France dans les États, dans les choses intérieures des États souverains. Je le prends à témoin, puisque si j'amène cette France devant une cour de justice internationale demain, je me servirai de ce mot, je me servirai de ces paroles. La France dit, je ne m'ingérerai jamais dans les choses d'un affaire, d'un État souverain. Mais si l'État camerounais était souverain, qui suis-je, moi, petit ambassadeur de ce pays, dont mon président, c'est-à-dire mon chef hiérarchique, m'attelle sur toutes les chaînes de télévision que non, sous son ordre, sous son règne, la France ne s'immiscera jamais dans les affaires intérieures d'un pays. Nous l'avons bien vu au Burkina Faso, à l'université de français élèves. Il a dit, ce n'est pas à la France de venir faire quelque chose à la place ou en lieu de votre chef d'État. Oui, bien sûr, au Cameroun, il doit faire la même chose. Au Cameroun, il doit rappeler son ambassadeur. S'il te plaît, tu vas à l'encontre de ce que j'ai dit longtemps et de ce que je dis tous les jours sur des chaînes de télévision africaines, sur des chaînes de télévision européennes. Jamais la France ne prendra plus part activement dans les affaires intérieures d'un pays. Donc là, tu as fait faux. Et comme tu as fait faux, alors, cher monsieur, comme il est de la coutume ici en France, quand tu fautes, tu dégages. Alors, cher ambassadeur, dégage. Il y a, et il ne revient qu'au Camerounais, que vous et moi, de montrer à M. Macron qu'il y a déjà plus de 10 000, plus de 20 000 Camerounais et Européens qui ont signé une pétition. Alors, mettez-vous à l'œuvre. Faites ce que vous faites d'habitude. Demandez à cet ambassadeur de quitter. Une petite gaffe de cet ambassadeur lui coûtera sa carrière politique. Merci à vous, le studio. Merci à toi encore. Merci à toi encore. Alors, j'ai de très bonnes nouvelles déjà. Je viens de guetter du côté de la pétition et j'ai une très très bonne nouvelle. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont signé la pétition et il faut que je partage ça avec vous parce que c'est important de partager les choses comme ça avec vous, que vous sachiez comment ça évolue au fur et à mesure. On se bat tous pour le Cameroun. Il faut que les gens voient aussi la détermination que certains Camerounais ont à défendre les couleurs de leur pays. Donc, je vais dans quelques minutes, vous allez voir apparaître à l'écran là de mon téléphone portable. Le compteur qui nous permettra, nous aussi, de savoir ce qui se passe du côté de ce PayPal-là, du côté de ce machin, de cette pétition-là. Donc, pour ceux qui sont connectés, n'hésitez pas de continuer de partager. À présent, nous sommes à 6001 personnes ont signé déjà. Donc, continuez de signer massivement. Je vais partager l'écran directement avec vous pour que vous voyez. Alors, du côté de Paris, dis-moi, est-ce que tu as déjà, de ton côté là, quelques comptes, quelques noms de personnes ou bien un numéro de personnes qui ont déjà signé le nombre? Oui, actuellement, je suis à 27, mais je voudrais rappeler quelque chose aux Camerounais, surtout du 237. Dans la diaspora, nous sommes plus de 200 000 Camerounais. Oui, Camerounais qui veulent vraiment le changement. Nous sommes plus de 200 000 et ça fait 200 000 portables, ça fait 200 000 ordinateurs. Au niveau du Cameroun du 237, nous sommes plus de 20 millions sur 25 millions à vouloir le changement. Ça fait 20 millions de téléphones. Oui. Ça fait 10 millions de téléphones. Ça fait 5 000 téléphones. Donc, si 5 000 téléphones, plus disons 5 000 téléphones encore dans la diaspora, ça nous fait 10 000 signatures. Avant la fin de ce live, ça fait 10 000 signatures. C'est bien possible, comme je pense, à cet élan de solidarité de cette même diaspora envers le 237. C'était le combat, c'est le combat. Le combat a beaucoup de phases. Le combat a beaucoup de journées devant elle. Ça, c'est une phase du combat. Ça, c'est une tactique du combat. Combattre l'ennemi, c'est l'ennemi qui va à l'encontre de nos valeurs. Alors que son excellence, son éminence, le nouveau président de la République bananière du Cameroun, j'ai nommé ici, oui, Christophe Gohou. Oui, Christophe Gohou, le comédien, chef professeur, il doit être le tout premier président à ne pas pouvoir finir un mandat d'une semaine. Il doit être dégagé avant une semaine, ce monsieur. Alors, c'est grâce à ses signatures, c'est grâce à ses 10 000
signature que vous me donnerez avant la fin de ce live. Oui, je dis bien, ce live ne va pas faire plus de 30 minutes. En moins de 30 minutes, donnez-moi 10 000 signatures. En fait, que le nouveau président du Cameroun, cette république bananière, oui, ne puisse pas, oui, gérer son pouvoir pour une semaine. Qu'il est maximum 48 heures. Et il y en a déjà fait pendant 24 heures. Et il manque 24 heures au pouvoir. Merci encore à toi. Donc, je vais aller de ce pas-là, comme j'ai dit, et essayer de montrer à tous ceux qui sont connectés à quel niveau nous en sommes. Hein. C'était sur le plan technique, c'était un peu compliqué tout à l'heure. Là. Donc, je vais partager l'écran de mon téléphone. Comme ça, vous allez savoir exactement à combien de personnes nous sommes déjà rendus. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées déjà, qui ont déjà signé cette pétition. Et je dis merci, merci vraiment, merci de tout cœur à ces personnes-là. Je vais partager l'écran de mon téléphone, comme ça vous verrez exactement déjà à combien de personnes nous sommes rendus maintenant là. Vous allez voir que ça va vraiment vite. Ça va très très vite. Ça va prendre un peu le temps de charger les données, comme ça que nous voyons ensemble combien de personnes ont déjà daigné souscrire à cela. Mais Nino, en attendant, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'on peut attendre de la sortie d'un filou comme celui-là aujourd'hui? Ben, je vais vous dire, chers frères et sœurs, je vais te dire, cher très grand stratège, communicateur, Steve Sam, je vais te dire que de Satan, tu ne peux qu'attendre au satanisme. De Jésus-Christ, tu ne peux qu'attendre de la bonne parole. Oui, le Satan, c'est celui-là qui vient dans un pays en pleine crise économique, en pleine crise humanitaire. Venir vous faire de beaux discours, venir chercher à dérouter ce peuple-là qui ne demande qu'à retrouver son chemin. Oui, dites-moi, vous qui voyez un aveugle, oui, qui cherche encore à retrouver la vue et que vous finissez par lui presser encore les deux yeux, alors qu'est-ce que vous pouvez encore attendre de lui? Moi, cher Camerounais, si j'aurais été à votre place, j'aurais pas gâché mes méga. J'aurais pas donné ce plaisir à la CIATV d'avoir un vu, d'avoir deux vues. Oui, d'avoir une vue autant pour moi. J'aurais pas donné ce plaisir à la CIATV. Si j'aurais été à votre place, car, en vérité, chers frères et sœurs, je ne perdrai pas une de mes secondes à visionner la bêtise. Car je peux vous le dire, déjà, ce que ce monsieur dira dans les minutes à venir, il dira vraiment, la relation franco-camerounaise est au plus beau fixe. Oui, est au beau fixe. Je me demande si cette relation est au beau fixe, Steve Sam. Oui, chers combattants, rappelez-vous, ça ne fait même pas trois jours que ce FMI, vous savez que c'est la France qui décide qui devient directeur du FMI, a exclu ce cher beau pays avec qui la France est au beau fixe en termes d'amitié. Oui, ce FMI a exclu la France de toute aide pour pas l'aider à combattre le COVID-19. Si on ne peut pas vous venir en aide quand vous êtes malade, beaucoup de musiciens ont chanté, venez-moi en aide tant que je suis vivant. N'attendez pas quand je serai mort pour venir pleurer, crier sur ma tombe. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Je n'attends rien de ce comédien. Oui, Christophe Bohou, je n'attends rien de vous. Comme crie Kamala Panté. Je n'attends rien de vous. Oui, parce que Kamala Panté avait tout dit. Il est mort. Vous l'avez déjà su. Et votre président de la République, son Excellence Kamto, a déjà déclaré sa vacance. Il attend seulement, lui, que cette même France prenne ses responsabilités et dise au monde camerounais, au peuple camerounais, oui, ce que votre président a dit, c'est vrai. L'ancien président du Cameroun, COVID-19, est bel et bien mort. Prenez vos responsabilités. Si c'est descendre dans les rues, descendez. Si c'est repasser à l'élection, repassez. Alors, Steve Sam, à vous le studio. Merci encore à toi Nino, merci encore à toi pour ton intervention. On voit la détermination d'un combattant. J'ai un petit souci technique là, c'est compliqué parfois avec la technique, vous savez. Mais il y a déjà près de 25 personnes qui ont signé de mon téléphone. Je ne sais pas si vous pouvez voir comme ça. J'ai essayé de vous faire partager l'écran. Donc là, on est à 6013 personnes parce qu'au départ, on était à près 5000 quelque chose. On est à 6013 déjà. Et le prochain objectif, le prochain palier à atteindre, c'est 7500 personnes. Donc, si chaque combattant de son côté se met à signer cette pétition, partager cette pétition dans la plupart des groupes auxquels il appartient, je suis sûr qu'avant lundi, demain, nous serons clairement... Le son, vous avez un problème de son? Permettez-moi de vérifier, hein, s'il vous plaît. Mais j'ai un bon son ici chez moi.
Attendez que je vérifie, donnez-moi une seconde le temps que je vérifie le son. J'ai l'impression que le son est bon. Mon retour de son est bon hein, chez moi. Désolé peut-être si vous avez un problème de son chez vous. Faites-moi encore signe à un moment donné, on va voir si ça avance. Donc, alors vous voyez, en ce qui concerne la cagnotte déjà, la cagnotte qui a été lancée par le professeur Maurice Kamto a poussé, on est déjà à plus de 6 000. Alors il y a un appel qui est entrant, je vais prendre l'appel. Bonjour, allô. Allô, bonjour. Et bonjour, s'il vous plaît, vous demandez de signer la pétition, là. Je ne sais pas comment on signe ça. Ah oui, exactement. Je ne suis pas très fort en technologie. Là. Ah non, c'est très facile. Je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Vous voyez sur mon direct, en bas, il y a un lien oui. qui est épinglé. Mm-hmm. C'est bon, vous l'avez. Oui, vous signez, vous cliquez juste sur le lien. Attendez, s'il vous plaît. D'accord. Oui, vous cliquez sur le lien une seule fois. Maintenant, ça va vous ramener quelque part sur une autre page, la page d'une organisation qui s'appelle change.org. C'est une organisation. Ah. Oui. Alors, une fois que vous y êtes, vous allez suivre seulement les directives qui vont vous être proposées. Et après, vous avez signé la pétition. C'est tout ce qu'il faut. Vous recevrez un message d'ailleurs qui va vous confirmer l'effectivité de votre signature. D'accord. Oui, c'est tout ce qu'il faut faire. Il n'y a pas. Mais sinon, puisqu'on a déjà parlé quand même déjà de la signature, est-ce qu'il y a quelque chose que vous attendiez de la sortie de ce monsieur aujourd'hui, du côté de la CATV? Non, moi je n'attends rien. Donc vous êtes moi, exactement comme vous êtes comme Nino qui était là tout à l'heure qui disait qu'on ne peut rien attendre d'un. Non, on attend rien de lui. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Ok. Tu sais, mon frère, bon, je te suis quand même depuis là. Ça fait longtemps que je vous suis. Mm-hmm. Mais le problème est que les gens du Cameroun sont en train de nous décourager, dire. Ils nous découragent, c'est clair, mais... Hein? Mais est-ce qu'on va se décourager pour autant? Est-ce qu'on va se décourager pour autant? Non, nous sommes un peu découragés, mais ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras, on ne baisse pas les bras. C'est ça. Donc, je retiens qu'il n'y a rien à attendre. Je retiens qu'il n'y a rien du tout à attendre de la sortie de ce Non, il ne faut même pas voir ça. Moi, je ne vais même pas voir. D'abord, je ne peux même pas leur voir ça. Je vais demander à des gens comme vous d'éteindre le truc, de même pas regarder. Ça ne sert à rien. Ok. Merci encore. Merci encore. D'accord. Merci à toi. Okay. Bonne journée à vous. À vous, toi, merci. Super. Alors, pour tous ceux que vous avez vu, pour tous ceux qui, comme ce monsieur, n'ont pas la possibilité d'entrer dans le... dans la pétition, de réussir à signer la pétition, n'hésitez pas d'appeler, on va le faire ensemble. Si jamais ça vous dérange, contactez n'importe qui de cette révolution, on va vous donner les directives, les mécanismes qu'il faut suivre, comment il faut procéder pour signer cette pétition, c'est assez simple. Donc, allez-y, si vous avez des questions à poser par rapport à la signature de cette pétition, faites-le. Vous pouvez signer cette pétition à n'importe quel moment, mais partagez-la, échangez-la dans les groupes dans lesquels vous êtes, surtout dans les groupes Facebook, les groupes WhatsApp, pour que le maximum de Camerounais signent cette pétition-là. Alors, Nino, du côté de Nino, je crois qu'on a eu un petit souci, donc ce que je vais faire, je vais te renvoyer un lien le temps que tu reviennes dans la discussion et que, voilà, qu'on termine avant que le satrape Guilou n'aille rencontrer ses amis du côté de la CATV. Il ne faut rien payer pour la pétition. La pétition est totalement gratuite. Il y a deux façons de finaliser la pétition. La première méthode, c'est déjà de finaliser. Vous pouvez finaliser en payant quelque chose si vous voulez bien payer. Ou vous pouvez finaliser en partageant seulement ça dans un groupe WhatsApp, dans un groupe Facebook. C'est tout ce qu'on vous demande, rien d'autre. Donc, cliquez sur le lien, vous aurez toutes les directives à suivre, vous les suivez. À la fin, on va vous demander soit de donner quelque chose pour contribuer, parce que c'est une organisation qui est à but non lucratif. Et cette organisation a pour but d'organiser des pétitions, de faire que ces pétitions apparaissent partout dans le monde entier et que les individus qui sont connectés, qui signent des pétitions, puissent être entendus partout. Donc, c'est le but de cette association. C'est pour ça que c'est important pour eux que vous les souteniez financièrement. Mais si vous ne soutenez pas, vous pouvez tout de même juste partager la pétition de façon que l'organisation soit à la fois reconnue, mais aussi que votre message porte. Donc, merci encore à tous ceux qui étaient connectés. On a Nino qui vient de nous arriver. On a eu un petit souci technique là.
Donc, Nino, tu es de retour. Alors, est-ce que tu peux dire quelque chose? J'ai beaucoup parlé. Le temps que je regarde encore dans les groupes, là, ce qu'il faut mettre pour savoir. Oui, mais franchement, merci le studio, le son est bon, je crois, parce que j'ai un bon retour. Oui, moi je disais tantôt ceci, chers Camerounais, vous devrez comprendre, on ne peut toujours pas se retourner vers cette France-là sur laquelle nous sommes. Regardez, il y a quelqu'un là, je vois Guy Rostand Simokamga, je vais répondre. Il dit, mes frères, le nombre de personnes ne compte pas dans notre contexte qui est si grave. Donc n'insistez pas trop, il faut juste circuler la pétition à l'opposition française. Non, cher Guy Rostand, cette même erreur-là que nous avons commise depuis près de 40 ans, qui a donné la place à Covid-19 de tout tisser avec cette France-Afrique, la situation vraiment difficile dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Non, on doit nous prendre nous-mêmes en main. Nous devons désormais pouvoir signer une pétition à plus de 50 000 voix. Oui, nous les Camerounais, puisque dans la diaspora seule camerounaise, nous sommes plus de 300 000. Oui, dans le 237, il y a plus de 20 millions de sympathisants de la cause du changement. Oui, nous ne pouvons pas compter sur cette France, parce que le français, le blanc, laisse-moi te dire quelque chose, cher ami Guy Rostand, le blanc que tu vois là, il rit avec toi juste pour ses intérêts, même au lieu du travail. Quand le blanc sourit avec toi, c'est pour t'encourager ou c'est pour te reprocher quelque chose. Après le boulot, il n'y a plus rien. Il n'y a plus, s'il te plaît, j'ai oublié ma clé de la voiture, je ne sais pas comment arriver. Cher monsieur, tu te débrouilles, il a une grosse voiture, il roule à vide du lieu de service à son domicile. C'est ça le français. Nous ne pouvons plus compter sur le blanc. J'encourage massivement tous les gens qui pensent que non, mais même si je ne signe pas, il y a d'autres qui vont signer. Non, ça c'est une très mauvaise mentalité. Signe d'abord pour toi. Parce que si tout le monde fait comme toi et dit si je ne signe pas, ils sont nombreux là-bas, ils vont signer. Finalement, tout le monde dit ça. On va se retrouver avec une pétition vide. Vous avez vu, alors que l'enjeu, il est là. Apprenons désormais à ne plus laisser les occasions passer. On a tué Maître Swap, on a laissé passer. Garbou, on a laissé passer. Quand c'était un 1500 massacre dans le Nozo, on a laissé passer. On a pris Portuka, on a laissé passer. On croyait qu'ils devraient s'arrêter. Ils ont pris Erikwachu. On a insisté. Ils ont libéré Erikwachu. Ils ont pris Balayer. Nous laissons. Voilà la pétition, nous vous allons laisser. Ce monsieur va sur la CIATV marquer des points. Il va marquer des points. Et ça, c'est pour la Sardinabie. Ça, c'est pour confirmer l'existence, la résurrection dans certains Covid-19. Toi, Guy Rostand, tu es convaincu que Covid-19 est mort. Alors, tu es obligé de t'y mettre, de signer, de chercher mes 8 téléphones et de signer, toi, Guy Rostand, 8 signatures avec 8 différents téléphones. À toi, Stevie Sam. Ah oui, ça c'est vrai. Guy Rostand, maintenant tu connais le travail que tu as fait en faisant ton commentaire. Tu ne savais pas c'est comme ça qu'il allait faire. Donc, Guy Rostand, on attend tes signatures avec tes 8 téléphones. Merci encore à tous ceux qui viennent se connecter. Merci de rester vraiment concentré. Maman Lydie Koukam, bonsoir à toi. Bonsoir à tous ceux qui viennent se connecter. L'objectif aujourd'hui, c'est de pousser la barrière. C'est de pousser la barrière. Je m'en vais du côté du studio. On va faire quelque chose ensemble. Je vais essayer de voir comment est-ce que je peux partager. Tout à l'heure, j'ai essayé, ça ne marchait pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Je vais encore réessayer parce qu'il faut que chacun de vous sache exactement à quel niveau nous en sommes avec ces pétitions-là. Donc, je vais relancer encore. Je vais encore retenter l'expérience avec le partage d'écran avec mon téléphone. Et j'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Alors, je crois que cette fois-ci, tout va bien dans le bon sens. On a l'impression que ça avance. Ça va dans le bon sens. Donc, voilà. Alors, voici mon téléphone. Et vous voyez, du coup, voilà la pétition qui est censée apparaître là. Oh, ça n'apparaît pas ici. C'est bizarre. C'est bizarre. Vous savez, c'est le iPhone. Hein. Parfois, il aime bien protéger les données secrètes des gens. Donc, c'est pour ça qu'il... Voilà, c'est bon, c'est arrivé. J'ai déverrouillé. Alors, vous voyez, là, on est quasiment à 6050 personnes qui ont signé. Donc, continuez de signer massivement. Voilà les retours que vous avez. Au fur et à mesure que vous signez, je reçois les notifications là. Donc, continuez de signer massivement et partagez ces pétitions là. Partagez-la, signez, vous partagez. C'est aussi simple que ça. Donc,
Une fois que vous signez, vous voyez en bas de l'écran là, il y a un bouton signer cette pétition. Vous appuyez dessus, vous suivez la procédure. C'est très très simple à faire, très très simple à faire. Donc n'hésitez pas, madame, mesdemoiselles, messieurs, continuez de signer. On est bloqué là depuis à 6050. Il faut qu'on sorte de là. Donc pardon, continuez de partager. On doit quitter au moins. On doit avoir encore moins 50 pétitions signées. Donc, avant l'émission de la CIA TV, il faut qu'il y ait un maximum de signatures qui soient ajoutées à cette pétition-là. On reviendra au fur et à mesure. Donc, quand je vois des personnes qui signent, je reviens au fur et à mesure là. Et voilà. Donc, encore du côté du... On va retourner d'ici, hein, comme ça, pour que vous voyez encore ma tête à quoi je ressemble. Je dis un merci particulier à tous ceux et celles qui continuent de signer cette pétition. Parce que c'est comme ça qu'on peut faire changer un pays. Vous allez voir la force, le poids d'une pétition. Il y a des ministères qu'on a changés juste à cause d'une pétition. Il y a des personnes qu'on a renvoyées juste à cause d'une pétition. Et je vous rappelle que dans des pays comme les États-Unis, là où il y a un taux de discrimination très élevé, il n'y a que la force de la pétition qui permette qu'on essaie de rétablir un certain équilibre dans la société. Donc, c'est la même chose que nous allons faire au Cameroun. Et je rappelle ici, à des fins utiles, que cette signation n'est pas pour un quelconque groupe. Cette pétition n'est pas pour une telle organisation. Non, c'est une pétition qui va dans le sens de la libération du Cameroun. C'est une pétition qui va dans le sens du regain de souveraineté du Cameroun. Et même si c'était... Et Yebe le fou de Minifem qui l'avait fait, même si c'était Mbaga ou Atango le fou de Yaoundé qui avait fait cette pétition, j'aurais signé. Et quand j'ai signé cette pétition, j'ai vu l'intérêt de partager cette pétition avec vous. Donc continuez de signer cette pétition, signez-la au maximum. Si vous avez 2 téléphones, 3 téléphones, prenez ces téléphones, signez-les. Tous mes amis qui ont les faux profils là, parce que je sais que sur Facebook il y a une armée de faux profils. Et pour créer un faux profil, ne croyez pas qu'on ne sait pas comment on crée des faux profils. Il vous faut des faux comptes Facebook. Il vous faut des faux emails. Donc, utilisez vos deuxièmes emails là pour les faux profils. Là, allez signer la pétition. On attend encore que ça continue. Je suis bloqué là depuis. Je ne vois pas que ça avance. Donc, on est bloqué à 6050. Ça doit continuer. On est encore à 6050 là. Allez, vous avez déjà fait un premier tour avec vos vrais emails. Maintenant, faites un deuxième tour avec vos faux profils. Donc, c'est le tour des faux profils maintenant. Alors, Nino, tu es en studio, non? Oui, je suis bien là, Sam. Ça me fait plaisir quand tu me dis ça, c'est le tour maintenant des faux profils. Je vais vous dire, je vais vous raconter une petite histoire, chers frères et sœurs, cher Guy Constant. Oui, ce gars, ce nom, ça m'intéresse, ce nom me fait beaucoup plaisir, Guy Constant. Parce que j'ai eu un ami, il s'appelait franchement Guy Rostand, autant pour moi Guy Rostand. Je vais te dire quelque chose, le président de la République, que toi-même Guy Rostand, tu as voté le 7 octobre dernier, 2018, Maurice Kamto, il a dit ceci là, il faut bien le retenir, prenez votre destin en main. Quand tu l'analyses, ce prenez-vous en main, c'est-à-dire ce n'est pas Maurice Kamto qui vous prendra, il te prendra toi, Guy Rostand, en main. Ce n'est pas Maurice Kamto qui prendra Sylvissa Maréchalino. Non, à l'église, le bon pasteur, le bon berger, il ne recherche pas celui-là qui est déjà bien, celui-là qui ne commet pas de péché, mais il s'est dosé matin, midi, soir à parler à celui-là qui est pécheur. J'insiste sur toi, Guy Rostand, parce que tu n'es pas encore convaincu de la bonne chose de cette pétition. Alors retourne relier ton président, retourne suivre le discours de ton président. Quand je me rappelle, il a dit, prenez-vous en main. Il a dit, Guy Rostand, prends-toi en main. Signer cette pétition, c'est une manière de te prendre en main. Si c'était le MRC ou si c'était mon président, M. Kamto, qui avait mis cette pétition en main, en marche, ça n'aurait pas fait 2 heures du temps. On aurait eu 10 millions. Oui, apprenez désormais à vous prendre en main. Tout le monde compte, toute bouche compte. Désormais, tout Camerounais compte. Je dis bien tout Camerounais, déjà que tu respires, que tu sois né, tu comptes. Si tu disparais, ça revient maintenant à l'État, au gouvernement, qui doit te protéger, de démontrer par A plus B, de dire au peuple pourquoi tu as disparu. C'est ce nouveau Cameroun que nous voulons, un Cameroun où toi, tu es responsable de ton prochain, tu es responsable de la marche de ton pays.
Fais-le. Commence ce geste par cette pétition. Ne vous mentez plus. Ne mens plus à toi-même. Parce que si tu te mens à toi-même, tu ne pourras pas regarder ton enfant demain et lui dire, ça, c'est la vérité. C'est ici. Parce que hier, toi-même, tu as douté quand tes frères t'ont demandé de signer. Oui, cher frère. Oui, cher Guy Rostand. À vous le studio, c'était là. Merci encore à toi. Merci encore à toi. Alors, je reste comme ça en off pour qu'on écoute ce que je dis. Alors, vous voyez, je reviens encore du côté de notre pétition. On est déjà à 6070. Ça ne fait que monter. Allez-y, poussez. Poussez cette pétition. Poussez cette pétition. On est déjà à 6070. Continuez de partager. Continuez de partager. Mettez dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Messenger, dans les groupes Facebook, dans les groupes Twitter, dans tous les groupes où vous êtes, mettez cette pétition. Si vous ne savez pas comment on fait ça, demandez-nous, on va vous dire. Si vous ne savez pas comment mettre ça sur Twitter, demandez-nous, on va vous dire. Il faut que avant lundi, que dès que Macron va arriver dans son bureau, il reçoive directement du cabinet civil un paquet de dossiers avec les pétitions qui ont été signées, avec la colère, avec la ferveur, l'engagement des Camerounais à mettre fin à ce régime impérial qu'on veut nous mettre au Cameroun là. Si Paul Biya est confirmé mort, parce que moi je doute vraiment de son existence, et vous savez que j'ai fait une vidéo de près d'une heure de temps pour décortiquer élément après élément, pour vous démontrer que la vidéo qui avait été faite était une vidéo copiée d'une autre sortie de Biya à l'époque qu'on a pris. On a utilisé un système de montage vidéo qu'on appelle le tracking et le masquage pour le mettre dans cette circonstance-là, dont la vidéo explique clairement. C'est bien en ligne, tout le monde peut encore suivre cette vidéo-là. Donc, continuez de signer cette pétition. L'ambassadeur s'est lancé dans un jeu, dans ce jeu-là, et il faut qu'il confirme que le jeu-là l'a dépassé. Il faut qu'il confirme que ce jeu l'a dépassé. Donc, c'est à nous de prendre le Cameroun en main. Je vais encore une fois de plus actualiser pour qu'on voit quels sont les titres, les chiffres exacts. Il faut qu'on voit quels sont les chiffres exacts. On était à 6070. On doit voir s'il y a des personnes qui sont encore engagées dans cette démarche-là de vouloir démontrer aux yeux du monde comment dire, l'ignominie de la politique française africaine en Afrique. Donc, voilà. On est à 6070. Ça reste stable. Continuez de partager. C'est le tour des faux profils maintenant, donc ça doit monter. J'attends tous mes amis qui ont les faux profils là. C'est le tour des faux profils. Venez avec les faux profils maintenant. Venez avec les faux profils. Voilà, c'est encore monté de 5 personnes. Donc il y a 6075. Ça va monter, vous allez voir ça en direct là bientôt. 6075. Allez-y, signez cette pétition. Signez cette pétition. Là, dès qu'ils vont lancer l'émission à la CATV, nous, on va se charger d'envoyer à tous les éléments de la CATV, à tous ceux qui sont au niveau du Quai d'Orsay, comme ça qu'ils sachent qu'il y a une pétition qui court et que près de 6000 personnes ont déjà signé pour dire non à ce régime-là, ce régime dictatorial, impérial que la France est en train de vouloir mettre au Cameroun. Donc, alors, je crois que même déjà d'ici, on peut déjà dire merci vraiment à l'intervention de Nino parce que je crois que c'est avec des paroles aussi fortes que celles que tu donnes là qu'on comprend réellement l'envergure, l'enjeu que représente une pétition comme celle que nous sommes en train de mettre sur pied. Je vais repartir du côté du studio donc pour lire quelques messages, hein, comme ça pour voir ce que nos amis qui nous suivent sur Facebook ont dit. On est sur plusieurs écrans en même temps, donc excusez-nous un peu pour cette transition-là. Alors, il y a qui encore? Il y a qui est là? Je vais regarder les commentaires. Alors, on a Maman Josette qui est là. Elle dit 7000 personnes. Voilà, il y a 7000 personnes. Bientôt, on aura 7000 signatures. Ça, c'est une question de... Bientôt, on va avoir 7000 personnes. Il n'y a pas de problème. Tout Camerounais dit Tontina ou Sardina a l'obligation de signer cette pétition. Bien entendu, il ne s'agit plus de Tontina, de Sardina. Il s'agit d'un problème colonial. Il s'agit de réinstaurer en Afrique un régime de haut commissaire. On a carrément un haut commissaire français qui va diriger le Cameroun aujourd'hui. Donc, allez-y, n'hésitez pas à signer cette pétition. Je ne fais qu'attendre. Oui, il y a encore deux personnes qui ont sous-signé. Donc, continuez dans cette dimension-là, continuez dans cette lancée. Et c'est comme ça qu'on doit travailler. Donc, Nino, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire. Je crois que l'essentiel de notre message, quand même, d'aujourd'hui est passé. À moins que tu veux ajouter quelque chose. Non, Sylvie Sam, notre message ne pourra jamais, l'essentiel ne pourra jamais finir.
Pourquoi? Je vais te dire quelque chose, cher stratège, cher grand communicateur Stevie Sam. Je profite de cette plateforme que tu viens de me donner là pour dire d'abord qu'un bonjour véritable à Françoise Djounou, cette grande dame-là qui se bat matin, midi, soir. Franchement, pour cette cause, allez voir le travail qu'elle a bas sur Internet, a poussé massivement le peuple de la Révolution, le peuple camerounais, à signer cette pétition. Elle et moi, on s'insulte matin, midi, soir, mais elle fut la première à prendre en main cette pétition. Elle m'a dit, Maréchal, laisse-moi prendre le devant pour cette pétition. Bravo à toi, chère Françoise Djounou, qui est connectée à l'heure actuelle. Oui, Guy Rostand, tu viens de m'approuver, tu viens de me montrer que je n'ai pas passé 20 minutes à me dosier pour rien. Tu viens de le dire que cet ambassadeur, oui, Christophe Gohou, il a au trop pour 7 jours pour se suicider. Oui, ça c'est le plus beau message que j'ai reçu depuis 6 heures ce matin, en ce beau dimanche. Bravo! Je vais vous dire quelque chose, vous qui doutez encore. La mentalité camerounaise, oui, c'est ça. L'engouement mentalité. Je vais jouer sur ces deux mots. Imaginez-vous 2 mois en arrière, à Bercy, quand les Congolais sont sortis pour dire non, il y a des problèmes chez nous, un artiste de renom, comme Fali Poupa ne peut pas chanter ici à Paris. Oui, il s'était tué. Ah ben si, avec le téléphone, en moins de 30 minutes, chers frères et sœurs, il y avait 10 000 Congolais. Je dis bien, il y avait 10 000 Congolais et Paris était à feu et à cendre, chers frères et sœurs. En moins de 30 minutes, si les Camerounais, si les combattants, frères et sœurs, du 237 et de la diaspora, avaient cet amour, en 30 minutes, on aurait mis 10 000 signatures ici. Mais laisse-moi encore te dire, cher Guy Rostand, cher Guy Rostand, je reviens avec toi. Laisse-moi te dire quelque chose. Si je vais à la poste centrale et je fais tomber 15 camions de brasserie du Cameroun, plein de casiers de bière, et je demande à tout Camerounais qui voudrait venir prendre sa part du gâteau dans cette boisson, dans ce camion qui vient de se renverser avec des bouteilles de bière, signez-moi cette pétition. En moins de 10 minutes, j'aurai 100 000 pétitions. Tel est là le véritable problème, Guy Rostand. Pose-toi cette question. Pose ces questions à tes frères et sœurs à côté de toi. Oui, suivez-nous. Donnez-moi 10 000 signatures avant que Christophe Gohou ne finisse sa comédie. Oui, en face de ce gros sardina Ibrahim Chérif. Pour moi, j'aurais fini pour cet instant, chère Sylvie. Mais je reprendrai mon travail. Je reprendrai ce bâton de pèlerin pour fouetter sur la France, en même temps pour cajoler mes frères combattants qui aimeraient le changement, qui se battront côte à côte le changement. Si tu as quelque chose à dire, vas-y, cher Sylvie, quant à moi, je suis libre, j'ai fini avec toi. Moi, je continuerai jusqu'à demain matin, puisque je ne dors pas. Merci. Nino, je vais te réquisitionner une seconde, parce que je vois, on est là à 6092. On est à 6092, donc si on réussit à aller jusqu'à 6100, là on aura au moins 500 personnes qu'on a pu avoir ce soir. Donc allons-y, poussons les gens à bout, on va avec un chiffre rond, on finit à 6100. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ça peut aller, on a un appel en temps. Allô? Allô? Moi, je suis avec toi. Hein. Si je ne sais pas si c'est l'appel, tu prends ou moi. Oui, moi, je suis avec toi. Appel entrant. Allô, bonsoir. Vous nous écoutez. Vous nous appelez de loin, là. Oui, je suis Camerounais. Et je vous appelle depuis Uganda. Ah, merci. Ça fait bien. Ça fait plaisir. Mon frère, je tiens beaucoup à vous remercier pour ce que vous faites pour notre pays. Vraiment, je suis ravi. Ça me touche au profond de mon cœur. Je sens une chaleur énorme pour ce que vous faites pour notre frère qui sont nos pays. Ce n'est pas vraiment facile là-bas. Et j'aimerais dire à tous les Camerounais de prendre conscience. De prendre conscience. Parce que ça, c'est vraiment nous insulter à la mec. Il faut vraiment que les Camerounais essaient de voir. Même Dieu n'est même plus d'accord avec ce qui se passe dans notre pays. Dieu n'est plus d'accord. Parce que je ne vois pas comment on peut se moquer de nous, nous insulter jusqu'à cette manière. Vraiment, je vous remercie. Continuez dans la même lancée. Que ceux qui vont parler demain, ils auront honte.
Vraiment, je suis ravi de ce que vous faites. Et ça me touche vraiment profond du cœur. Merci beaucoup, mon frère. Merci à toi. Et merci pour ces... merci pour le décortiquement de cette je vais dire de cette merci pour le décortiquement de ce Hollywood bia que vous avez montré aux yeux du monde, parce que les gens, c'est partout mes amis qui sont aux États-Unis, partout ils m'appellent pour vraiment, ça c'est vraiment un film incroyable dans notre pays. C'est comme si notre pays devient un feu, c'est à l'action maintenant pour chaque personne. Vraiment, nous sommes tellement fiers. Et mes amis qui sont de l'autre côté du désert me disent vraiment, c'est vraiment... Nous sommes tellement fiers pour ce que vous faites pour nous. Et que le Seigneur vous comble de grâce et continue dans la même lancée, que personne ne se décourage. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci encore à toi. Donc, Nino, tu as suivi ce que le compatriote... Oui, c'était bien pour dire, Stevie Sam. Je vous dis, quand on parle au Camerounais, on parle au Camerounais du monde entier. Oui, ce Camerounais, il n'est pas au Cameroun. Il est quelque part en Afrique où beaucoup de Camerounais même ignorent le nom. Oui, c'est un grand pays, là où se trouve mon frère qui vient d'intervenir. Chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que l'ampleur de la chose camerounaise, l'ampleur de la cause camerounaise, j'aimerais implorer ici en passant, tout combattant, tout admirateur de ce spectacle, de ce combat que nous livrons, quand moi, la Panthère, aura un direct majestueux cette nuit, oui, à minuit, cette nuit à 0h, j'invite tout le monde de par le monde entier, tous les combattants de par le monde entier, du triangle national surtout, parce que les oreilles désormais où nous aimerons parler ou chuchoter, ce sont des oreilles camerounaises. Oui, venez acclamer Kamwa la Panthère, venez rebooster le moral de ce grand héros national Kamwa la Panthère. Oui, il vous parlera, oui, de cette pétition, car cette pétition lui va à cœur. Il tient cette pétition comme un bébé à chuchoter, parce que Kamwa la Panthère a dit, dans mon pays, le Cameroun, la France où je vis, je travaille, j'ai tout donné, j'ai un promenade jusqu'au 237, c'est pas possible, c'est comme un coup de poignard, si je n'obtiens pas 20 000, 30 000 signatures. Oui, c'est Kamwa la Panthère qui me l'a dit ce matin. Chers frères et sœurs, général Bassero m'a appelé. Il me dit, mais maréchal, tu dors? Mère, elle ne bouge pas. Je dis, quoi ne bouge pas, maréchal? Il dit, va regarder la pétition en lui. C'est le maréchal Nino qui me dit, c'est le général Valsero qui me dit, presque en larmes, chers frères et sœurs, vous aimez le général Valsero, vous aimez Kamwa la Panthère, vous aimez tous les grands combattants, tous les généraux des autres entités, vous les avez vus en œuvre. C'est le mot pour cet amour, pour ces hommes vaillants et ces dames vaillantes. Allez-y, ça coûte moins d'une minute pour sauver toute une vie, pour sauver toute une humanité, pour sauver toute une race, car la race africaine, la race noire est en danger. Si la France réussit à reprendre la main sur le continent, sur le Cameroun, ça ne veut pas la dire qu'elle aura pris la main, elle aura pris toute l'Afrique entière, parce que le cœur de la France se trouve au Cameroun. La France, le bébé le plus adoré de la France en Afrique, c'est le Cameroun. Ils sont prêts à tout faire pour maintenir le Cameroun dans le sillon de la France. Nous ne sommes pas une province de la France. Nous ne sommes pas un département d'outre-mer. Le Cameroun n'a jamais été colonisé. Nous avions été deux fois sous tutelle. Sous tutelle, ça ne veut pas dire que tu as le plein droit de ton avenir. Tu as le plein droit de ton devenir. J'avais dit ici au début de cette plateforme, oui, que m'a donné Stevie Sam, que toute parole qui viendra de ma bouche devrait représenter 5 signatures dans cette pétition. J'ai fait très vite le calcul. J'en suis à plus de 1000 paroles, 1000 mots. Alors, ça devrait me faire combien? 4000 signatures.
Où sont ces 4000 signatures, frères et sœurs, chers Camerounais? Vous avez vu le courage, savez, ce même engouement que nous avons encouragé nos frères et sœurs à donner un peu de soi, à quadrupler ses efforts dans Cameroun Survivor. Cameroun Survivor a montré à ce gouvernement illégitime que vous n'êtes rien face à la nouvelle jeunesse, face à la nouvelle mentalité conquérante de la nouvelle nation, de la nouvelle nation que les jeunes Camerounais veulent se créer pour eux-mêmes. En moins de trois jours, nous avions mis un demi-million d'euros dans cette caisse. Avec ce même engouement, je vous en supplie, frères et sœurs, mettez-vous corps et âme dans cette pétition. C'est la même chose quand tu rentreras dormir après avoir mis une, deux signatures dans cette pétition, tu diras enfin, j'ai fait quelque chose. Enfin, j'ai donné un coup de poing à cette France. En mettant une signature dans cette pétition, c'est un coup de poing que tu donnes à la France. Car tu en as reçu énormément de coups de poing venant de la France. Tu n'as pas eu de moyens d'en remettre. Tu es sur un ring de boxe, on te donne 10 coups de poing, tu n'arrives pas à remettre un. T'es lâche. Prends tes couilles, le mot n'a jamais été lâche. Rappelez-vous de Kunta Kinte. Oh, ce vaillant soldat Kunta Kinte. Face à cette armée violente, Kunta Kinte a dit, avant de descendre, je donnerai des coups. Chers frères et sœurs, quel est là le moyen le plus facile de donner des coups de poing à la France? Donnez-moi 10 000 signatures dans les 10 minutes qui viennent. Donnez à Kamwa la Panthère le courage de vous parler à partir de 24 heures. À vous le studio. Merci à toi, Nino. Il n'y a pas d'autre façon d'exprimer ce que tu viens de dire. J'espère que tous ceux qui sont connectés voient à quel niveau, à quelle vitesse les signatures sont en train de monter. Quand on a pris, on était à 500 quelque chose de signatures. Maintenant, on est pratiquement à 6000. On a plus de 6100 signatures. Et il faut que ça monte. Il faut que ça monte parce que c'est important. Je vous dis, c'est un mot de force. C'est une pointe de fer qu'on est en train de démontrer. Et c'est comme ça qu'on voit la force de mobilisation d'un pays. Il faut que ce monsieur, ce soir, en rentrant chez lui, sache qu'il rentre pour plier ses bagages, pour rentrer en France d'où il vient. Parce que la France, c'est un État et le Cameroun en est un autre. Je profite aussi pour rappeler ici une citation qui me tient vraiment à cœur. C'est une citation de Thomas Sankara. Thomas Sankara, ici, n'est plus à redéfinir. C'est quand même un homme qui est né à Yolo-Biolasso, c'est une ville du côté du Burkina Faso. Et il disait de son vivant, quand il était encore président du Burkina, qu'un noir, un esclave qui ne se bat pas pour sa liberté ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Donc, chers frères, tournez ça dans vos têtes. Un esclave qui ne se bat pas pour sa liberté ne mérite même pas qu'on s'apitoie sur son sort. Je vois près de 6000 personnes, plus de 6100 personnes qui ont signé et je vois la détermination que vous avez. En quelques minutes, vous voyez seulement, nous sommes aujourd'hui, il est 18h03, nous sommes en train de remplir, de signer massivement cette pétition et vous voyez qu'on atteint déjà l'objectif. Donc, continuez de booster, continuez d'envoyer ça à vos amis. La pétition, je l'ai traduite en allemand aussi pour ceux qui sont en Allemagne. N'hésitez pas de nous contacter pour qu'on vous envoie la version de votre langue. Il y a une version qui va être faite aussi en anglais. J'espère bien que ceux du côté des États-Unis ou bien des Angleterres et de la Grande-Bretagne vont la traduire en anglais. Donc, toutes les langues sont nécessaires. Il ne faut pas absolument être Camerounais pour la signer. Si vous êtes en Allemagne, que vos concitoyens sont des Allemands, donnez-leur la possibilité d'intervenir. C'est une action humanitaire, c'est une question de droit de l'homme et de la dignité humaine. Donc, signez massivement cette pétition. Je vais encore rafraîchir la page pour voir quels sont les chiffres exacts. Donc, merci déjà à tous ceux qui sont là. Je vais essayer de voir les commentaires, s'il y a des questions qui sont posées, s'il y a des personnes qui ont du mal à signer cette pétition. Mais tel que vous voyez sur l'écran de mon téléphone, c'est un seul bouton qu'il vous faut appuyer. Un seul bouton, signer cette pétition. Le bouton que vous voyez là, sur le live, il y a un lien, le lien qui est épinglé. Vous cliquez dessus, automatiquement vous vous retrouvez sur cette page. Avec la tête de cet homme qui veut se présenter comme étant l'ambassadeur néocolonial du Cameroun à Yaoundé. Donc, il y a sa tête et juste en bas, vous avez la possibilité de signer cette pétition et demander librement que ce monsieur rejoigne ses quartiers du côté de la France parce que le Cameroun, ce n'est pas une monarchie représentative de la France en Afrique. Donc,
Merci encore pour tous ceux qui ont signé. Merci et vraiment beaucoup de courage à ceux-là qui continuent de partager. Je reçois beaucoup de messages aussi à ceux de ceux-là qui me renvoient encore le lien à moi-même. Donc, allez-y, on fait un tour avec les bons emails. Tous ceux qui ont les faux profils, allez encore signer avec vos faux profils. Maintenant, envoyez à vos amis qui sont allemands, américains, anglais, chinois, burkinabés, peu importe. Il ne faut pas être absolument camerounais pour rejoindre une cause humanitaire. Il faut juste avoir un cœur et de l'affection pour l'homme. Comme le disait le prêtre jésuite camerounais qui est mort toujours pour les causes qu'il défendait, Angèle Bainvin, il disait « On aime l'homme juste parce qu'il est l'homme, parce qu'il est homme. On aime l'homme parce qu'il est digne d'être aimé. On aime l'homme parce que c'est bon d'aimer l'homme et c'est bon d'être aimé. » Donc, pour tous ceux qui partagent les valeurs humaines, pour tous ceux qui partagent le respect et la dignité humaine, je crois qu'il est temps quand même pour nous, la nouvelle école africaine, la nouvelle génération africaine, de démontrer notre différence et notre capacité à être unis contre la déshumanisation. C'est enlever à l'Afrique son comportement, son caractère d'État. C'est enlever à l'homme noir sa capacité de s'auto-gérer. C'est enlever tout simplement la souveraineté au Cameroun. Et on ne peut pas voir une telle chose et laisser faire. Donc le seul moyen pour nous d'empêcher ça d'abord, c'est de passer par une pétition. Une pétition qui doit être massivement adhérée par la plupart des personnes avec le maximum de signatures possibles. Les signatures ne font qu'évoluer. Signez cette pétition, faites signer cette pétition. Il y a les traductions, allez partout. Je veux que ceux qui sont connectés là, prenez ce live, taguez ça sur la page de mes amis qui sont en France, les Amazones. Taguez ça sur la page des Amazones. Taguez dans ce live, taguez-moi tous ceux de la base jaune, taguez-moi tous ceux de la base grise, taguez-moi tous ceux des mouvements que vous connaissez dans cette révolution, parce que là, on n'est pas pour une cause d'un groupe. Je ne suis pas venu faire un live avec Nino pour une cause unique d'un groupe. Non, on est là parce qu'il faut défendre le Cameroun. Donc, taguez tous les leaders que vous connaissez, taguez tous les groupes que vous connaissez pour qu'ils viennent signer cette pétition et que vite fait, on ait quand même la possibilité de faire disparaître ce monsieur du Cameroun et que le paysage camerounais soit de nouveau encore vivable. Donc, merci encore à ceux qui continuent de partager. Alors, Nino. Oui, Sibislam, je vais profiter. Tu sais, vous connaissez un peu déjà mon caractère. Oui, je vais trahir. Oui, je vais trahir quelque chose. J'ai voulu bien retenir ça en moi, mais j'ai vu l'ampleur que la chose a pris déjà pour dire à mes chers frères qui m'écoutent à l'heure actuelle. Je vais vous trahir deux petits secrets. Est-ce que vous saviez, chers frères et sœurs, l'ampleur de cette pétition? Oui, c'est parce que j'utilise un téléphone avec des captures d'écran que un ministre sardinard a partagé dans tous les camps et singants, dans tous les groupes sardinards, il a dit ceci. Oui, chers frères et sœurs, ne signez pas cette pétition-là. Oui, un autre sardinard m'a envoyé ça dans ma boîte, il ne savait pas que je suis un grand combattant, il s'est dit qu'il envoyait un autre sardinard ici à Lyon, c'est tombé dans ma boîte. Oui, c'est parce que j'utilise ce téléphone, un seul téléphone, je le reposte que vous voyez à quel point cette pétition est déjà en train de la toucher. Et la deuxième révélation que je vais vous faire. Oui, Kamala Panthère, il ne savait pas que je devrais prendre le devant pour le trahir. Kamala Panthère, en sous-main, a contacté beaucoup, je dis bien beaucoup de parlementaires français et suisses. Oui, il y a beaucoup de parlementaires qui attendent de pied ferme cette pétition, chers frères et sœurs. Oui, Kamala Panthère, je te demande pardon. Je ne pouvais pas garder ça dans mon ventre. Oui, Jean-Luc Mélenchon attend de pied ferme cette pétition, puisque c'est avec cette pétition qu'il tiendra Macron. Oui, par le noyau. Oui, Marine Le Pen attend cette pétition. Ces deux autres personnalités de la République française, oui, ont envoyé des retours. Oui, à Kamala Panthère. Puisque Kamala Panthère les a contactés, c'est alors bureau de service, le bureau de communication. Le retour n'a même pas fait deux jours, n'a pas fait 30 minutes. Et ils sont très vite revenus à Kamala Panthère avec une réponse très positive. Nous attendons cette pétition. Si elle est vraie, nous allons en parler au Parlement français, à l'Assemblée nationale, voire même au Sénat. C'est une histoire, c'est une affaire d'État. Oui, je vais encore révéler que Micheline Mich, qui n'est plus à présenter, depuis les États-Unis, a contacté beaucoup de parlementaires là-bas. Oui, ces parlementaires sont revenus vers Micheline Mich. Ramenez-nous cette pétition. Oui, parce que la France s'est moquée des États-Unis. Vous vous rappelez de cette histoire avec Richard Nixon de Watergate?
Oui, ça ce sera du Macron Gate. Les États-Unis attendent ça. Déjà Michel Miche, beaucoup de parlementaires américains, démocrates et républicains sont déjà au courant de ce qui se passe, de ce film à Hollywood. Comment une grande république comme la France a pu se mêler à ce jeu? Oui, le général Pidjal, depuis le Canada, a fait de même. Oui, beaucoup de parlementaires du Canada attendent cette pétition. Raison pour laquelle, chers frères et sœurs, il va de la survie du peuple camerounais, de la survie de l'Afrique. Si nous réussissons avant la fin de ce direct à faire monter cette pétition à 10 000 signatures. Oui, pour ces causes que je viens d'énumérer, pour ces raisons, pour ces valeureux soldats de la liberté dans ce monde qui attendent de pied ferme cette pétition. Chers frères et sœurs, alors là, vous savez maintenant dorénavant que quelqu'un ne vienne pas me dire qu'il ne savait pas que c'était des cartouches que nous donnions à l'opposition française de s'en prendre à Macron, à la politique France-Afrique de Macron. Que c'était des cartouches, nous donnions aux États-Unis de dire enfin la France nous vous tenons. Oui, que c'était des cartouches, nous donnions, oui, à Justin Trudeau depuis le Canada de dire à Macron nous te tenons. Rappelez-vous quelque chose, chers frères et sœurs, je rentre là à l'histoire de l'Holocauste, puisqu'il y a un ministre camerounais, oui, Jean de Dieu Momo, il a insulté les Israéliens parce que l'Holocauste, on a tué 2 millions. D'Israéliens. Je vais vous rappeler que le premier ministre le plus vaillant de la Grande-Bretagne, de cette Angleterre que vous connaissez, oui, c'est Alex, c'est Churchill. Oui, Churchill, il avait dit ceci, rappelez-vous. Au moins, vous me demandez de vous faire quelque chose, de vous ramener quelque chose. Mais je n'ai rien à vous ramener. La seule chose que j'ai à vous ramener, c'est la bravoure de mon pays. Et je rentre du côté des États-Unis pour vous dire, ce général qui a dit au Parlement américain, une fois on lui a posé la question, pourquoi est-ce que les soldats américains vont mourir très loin en Europe pour sauver les Juifs? Il a dit ceci. Il a sorti les photos des camps d'Auschwitz, des camps d'extermination des Juifs, avec 2 millions de Juifs sortis comme des squelettes, d'autres étant déjà tués. Il a dit, oui, ces soldats qui se demandent pourquoi je suis ici en train de lutter. Voilà. Si vous êtes ici en train de vous battre, c'est ça. C'est contre ces images-là. L'image de ces squelettons, de ces grands docteurs qui étaient devenus des squelettons, de ces chétifs. Rappelez-vous de la famine en Éthiopie. Oui, rappelez-vous de cette jeune petite fille qui était mourante. Vous l'avez vue 16 ans après. Elle était devenue l'une des plus jolies filles du monde. Une pétition peut changer beaucoup de choses. Oui, c'est la pétition qui a fait changer la situation de la famine. We are the world. Oui, en Éthiopie. C'est parti d'une pétition. Oui, la guerre pour sauver les Juifs des griffes des Allemands, des nazis. C'est parti d'une pétition. Chers frères et sœurs, pour sauver le Cameroun, nous partons d'une pétition. Elle est devant vous, sur vos écrans. Allons-y. À vous le studio. Merci encore à toi. Je vais rafraîchir encore pour que ceux qui nous suivent puissent voir directement en ligne. À combien s'élève déjà le nombre de personnes qui ont signé, vous voyez, on est en train de monter, mais continuons de pousser, parce que les pétitions ont plusieurs paliers, il faut que je vous explique ça vite fait. Il y a le premier palier qui est le premier de 100 personnes, après 100 personnes, vous montez à 500 personnes parfois, après vous montez à 1000, 1500 personnes, là la pétition commence à avoir un peu du poids. Maintenant, quand vous dépassez déjà les bords de 1000 personnes, vous allez à 3000 personnes, 3500 personnes, 4000 personnes. Le prochain palier, c'est 6000 personnes. Nous avons atteint le palier de 6000 personnes ensemble ce soir. Et maintenant, le prochain palier que nous devons atteindre, c'est le palier de 7500 personnes. Donc, je crois que si on atteint ça, ça devient déjà à un niveau mondial. Ce sont des pétitions qui sont signées déjà et qui sont rapportées au niveau des grandes institutions, comme le Conseil européen, le Parlement ou bien le Sénat d'un pays. Donc, ce ne sont plus des petites pétitions. C'est quand même un nombre considérable de personnes qui se mobilisent pour un fait. Et je vais vous dire, si aujourd'hui des produits alimentaires changent dans des pays européens, c'est à cause des pétitions. Les conceptions des véganes, ceux qui mangent comme des végétaliens,
sont nés et sont forts aujourd'hui parce qu'ils se soutiennent mutuellement à travers des pétitions. Les journalistes dans le monde qui sont tués, qui sont envoyés, qui sont parfois embastillés, sont protégés à cause des pétitions. Les femmes qui sont face aux discriminations, qui sont face au sexisme, sont soutenues par d'autres femmes grâce aux pétitions. Dans le Cameroun aujourd'hui, tous ceux du Cameroun qui ont toujours dit que les problèmes du Cameroun sont des problèmes camerounais, qui ont dit qu'il faut éviter d'aller à l'étranger chercher des supports et tout, c'est parce qu'ils défendent la souveraineté du Cameroun. Voici donc le moyen pour vous de leur dire, si tu aimes tant le Cameroun, là, faisons d'abord sortir la blatte, en bon français pour éviter de dire ce cafard. Faisons d'abord sortir ce cafard-ci et nous on règle nos problèmes parce qu'on sait nous tous, on a nos deux camps. Il y a un camp qui dit qu'on ne veut pas bien son système, un autre camp qui dit que vive la sardine. Point bas, mais d'abord on fait sortir ce cafard-ci, on va continuer nos choses parce qu'on ne peut pas laisser le Cameroun aujourd'hui devenir une autre colonie. Pas quand nous on est en vie. Sinon, ça n'aura servi à rien d'apprendre tout ce que nous avons appris. Sinon, ça n'aura servi à rien à tous ces Camerounais qui ont pris la route pour venir en Europe. Sinon, ça n'aura servi à rien à tous ceux qui jusqu'aujourd'hui souffrent la sueur de leur front pour vivre parce qu'ils veulent que le Cameroun soit digne. Non. Si c'est ça, on enlève le nom du Cameroun. On appelle le Cameroun France, on dit quoi, Afrique française, ou bien on va donner un autre nom à ça parce qu'on ne sera même plus digne de s'appeler Camerounais. Cette pétition, c'est le moyen pour nous de démontrer que nous, le peuple camerounais, on est unis et on sait quand il faut se mettre ensemble pour faire partie de la vermine. Donc, mettons-nous ensemble, continuons de partager cette pétition. Continuons de partager cette pétition. Si vous envoyez à quelqu'un, jusqu'à ce qu'il ne vous confirme pas que « Ouais, ma soeur, j'ai déjà signé, laisse-moi. » Envoyez-lui seulement ça. Votre seul message aujourd'hui, faites-moi les copier-coller. Envoyez seulement aux gens. Jusqu'à ce qu'ils disent que j'ai déjà signé, tu dis « Ah, ok, merci. » Après, tu lui envoies encore. Tu as partagé aussi. S'il n'a pas encore partagé, envoyez-le lui seulement jusqu'à ce qu'il partage. On doit atteindre un prochain palier dans cette pétition-ci. On a besoin de faire partie ce monsieur du Cameroun. C'est un absolu pour le peuple camerounais de montrer sa force à la face du monde. Parce que tous les pays africains nous attendent là. La Côte d'Ivoire est observatrice dans ce contexte. Le Tchad voisin est observateur dans ce contexte. Et rappelez-vous, depuis qu'on a commencé à molester les Noirs du côté de la Chine, le Cameroun n'a pas encore fait une sortie. Parce qu'au Cameroun, on a des problèmes qui nous empêchent même d'avoir un représentant. L'ambassadeur de Chine va venir voir qui? Paul Biya, il a pris la peau des escampettes, personne ne sait où il est. Donc c'est maintenant celui-ci que l'ambassadeur chinois va venir voir. Voilà autant de problèmes qu'il faut que nous résolvons pour sécuriser d'abord nos frères du côté de la Chine. Il faut que ce monsieur parte, qu'on puisse mettre un système qui va vraiment défendre les intérêts du Cameroun. Donc le point focal d'abord sur le départ de cet homme-ci. Le point second, c'est que nous les Camerounais, tous ceux qui ont signé cette pétition, qu'ils sachent désormais que pour les problèmes qui concernent le Cameroun, nous sommes nombreux. Donc cette pétition nous permet de voir aussi les Camerounais qui veulent vraiment le changement dans leur pays. Vous pouvez aussi signer cette pétition de façon anonyme pour ceux qui ont peur que leur nom va apparaître. Pour ceux qui ont peur que leur nom va apparaître, vous pouvez signer une pétition de façon anonyme. Donc vous allez voir, quand vous allez appuyer sur le bouton « Signer cette pétition », vous allez suivre les instructions. À la fin, vous aurez la possibilité de choisir de signer de façon qu'on voit votre nom ou de signer de façon qu'on ne voit pas votre nom. Les gens comme moi, nous, on s'assume parce qu'on n'a plus rien à perdre. On sait qu'on se bat pour une cause juste. À moins que je me trompe, Nino. Est-ce que toi, tu as mis ton nom en anonyme? Tu t'es mis en anonyme? Ouais, jamais plus, puisqu'il n'y a plus d'anonymat dans ces histoires-là. C'est, ça fait déjà pratiquement plus de 4 ans que j'ai vendu mon image, donc j'ai plus besoin, on connaît déjà tout de moi, donc voilà, j'ai pas besoin, puisque je lutte pour la vérité, alors autant mieux mourir que de mourir en tant qu'un lâche, parce que chaque fois quand je rentre, je vois ma copine, quand je regarde mes enfants, ils me donnent toujours un sourire. Ce n'est pas un sourire parce que je leur ramène des bonbons, que je leur ramène des fleurs, non. C'est parce qu'ils savent. C'est parce qu'elles savent. Parce que ma maison est remplie de femmes ou de dames. Oui, c'est plus beau utiliser le mot dame que femme. Ma maison est remplie de dames parce qu'elles savent qu'elles sont protégées. Oui, qu'elles savent qu'elles ont un chef de famille qui a des couilles, qui dit ce qu'il pense. Je vais vous dire quelque chose, chers frères et sœurs. Je travaille pour une très bonne compagnie. Oui, ici, là, à Lyon, je travaille pour une très bonne compagnie aérienne. De la France et de la Hollande. Je travaille du côté néerlandais parce que je travaille en néerlandais étant sur le territoire français. KLM, en l'occurrence. Je m'occupe, je dis bien, je suis chargé
du fret de la zone nord. La zone nord, c'est plus de 8 pays européens, y inclut la France. Et devant mon bureau, dans mon bureau, depuis près de, je vais dire un mois déjà, il y a un défilé sans cesse de grandes autorités de la République française et d'autres pays. Parce que tout ce qui arrive maintenant en France, soit c'est le gel, soit c'est des masques, soit c'est des appareils respiratoires. Mais comment osez-vous accepter cela quand des grands dignitaires de beaucoup de pays viennent voler, dérouter devant moi dans mon bureau la cargaison destinée à la France, la cargaison de gel hydroalcoolique, de masques destinés à la France pour l'amener dans leur pays venant de la Chine, destiné pour la Suède, mais la France stoppe, la France me dit, m'apporte un papier, un document dans mon bureau, dit monsieur, déchargez ici. Mais je vois bien les documents qui me prouvent que cette cargaison, c'est destiné pour la Suède. Même à la télé, c'est passé. C'était mon bureau ici à Lyon. C'était moi. J'ai déchargé avec ma signature. Et vous voyez un Lankanka, un Lascar, venez vous dire qu'il vous donne des gels hydroalcooliques, qu'il vous donne des masques, que c'est la France qui vous donne tous ces dons. Cette même France qui vole pour d'autres vient vous donner. Vous ne voyez pas que c'est de la cinématographie. Vous ne voyez pas la méchanceté, raison pour laquelle vous devrez signer. Vous devez quadrupler vos signatures même. Vous devrez aller sur Facebook là, créer un compte Facebook, c'est moins de 3 minutes, vos profils. Vous le faites, 5. Je veux remercier comme ça tous les autres grands leaders de cette révolution, d'autres entités qui nous ont appelés pour me dire « Bravo maréchal ». L'autre vient même de m'envoyer un message maintenant, bravo maréchal. Oui, il me dit bravo maréchal pour ce travail, parce que c'est une pétition qui nous concerne tous. C'est une pétition aveugle, c'est une pétition qui n'est ni homme ni femme. Ça n'a pas de couleur. Chers frères et sœurs, tel est là le problème, tel est là l'enjeu. J'ai bien trahi les grands hommes ici à Paris, ici en France, qui ont fait un retour à Canal la Panthère, à moins de 2 heures du temps, en disant, s'il vous plaît, une fois avoir fini avec cette pétition, vous pouvez prendre un cache avec nous. Comme la panthère, là, il est là actuellement. Je ne sais pas s'il est dans ce direct ou pas. Il a à sa disposition la ligne directe de ces deux grands leaders d'opposition de la France, que j'ai cité tantôt, qui attendent de pied ferme cette pétition. Alors, on leur a présenté une pétition à 7000 voix. Dans un pays qui a une diaspora de 500 000 personnes, avec 400 000 combattants, dans un pays de 25 millions d'âmes, avec 20 millions qui prennent le changement, c'est une souillure, mais c'est souillant. Si vous voulez battre Atangandji, si vous détestez Maître Momo, Maître Pensi, Maître Achou, si vous détestez Grégoire Ona, Joseph Ona, Meyong, signé à vous le studio. Merci encore toi mon frère, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un parler comme ça. Déjà que ce n'est que de la vérité, hein. c'est la pure vérité. Je demande que tous mes frères, if you are an English speaker, you have to sign this petition because it's really 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 necessary to employ to let the world know really what we Cameroonians are able to do. You have to be together, you have to share our goals, we have to fight together to change the thing, to change the situation, the economical situation in Cameroon, the geopolitical situation in Cameroon. You have to let the world know that we are together and that the politicians are not able to separate what we are really in Cameroon, because we always say we have the French people, the French speaker, the English speaker. They are like two countries. They are like two separate nations. Yeah, that is politically maybe correct. But the fact is, we all are Cameroonian. That is the most important to know. You can even say you are not Cameroonian, but you have to say you are a human being. And if you are a human being, the first thing to do is to protect the other human being life. That is, it's just a fact. So everybody, if you are an English speaker, you have to forget that you have
political struggles. You have to forget that we have cultural struggles. You have to forget that we have social problems. The first thing to do now, the right thing to do, is first to secure our things, our goal, our happen, everything we have, so that we can first remove the outsider, the bad person, like the ambassador from France and Cameroon. And after that, we will have time to come back on our situation and discussing really what we'll have to do. So that is what I can say to the most people who are like English speaker in Cameroon. Donc, vraiment pour mes frères anglophones, je suis obligé de dire, il y a des moments parfois où on est obligé d'oublier nos problèmes que nous avions avant. On est obligé parfois de faire table rase, même ne serait-ce que pour un moment, pour une petite minute, se reconcentrer sur la situation la plus importante, la situation, la nécessité actuelle, qui est d'abord de démontrer à la France que nous ne voulons pas de l'ère coloniale en 2020. Ce serait une honte pour nous de se battre et que plus tard, tous nos conflits aboutissent au fait que la France vienne commencer à diriger officiellement le Cameroun. Un grand pays comme le Cameroun, une grande puissance comme le Cameroun. Donc, je disais à mes amis anglophones que même si on se considère comme étant deux États souverains différents, il y a des situations où même le Ghana ou même le Togo, qui n'est même pas un pays, qui n'est pas de partie intégrante du Ghana, parfois soutient le Ghana pour certaines décisions. Le Canada et les États-Unis parfois sont obligés de faire des accords ensemble pour se protéger mutuellement. La France, par exemple, et Monaco sont obligés parfois de faire des accords, de compromis pour se soutenir mutuellement. Le Vatican, par exemple, et l'Italie sont obligés de faire des accords parfois pour se soutenir mutuellement. Il faut que ce soit pareil pour nous. Donc, j'attends mes amis qui sont anglophones ici, ceux qui parlent anglais, de se sentir aussi intégrés dans ce problème, aussi concernés dans cette situation que ceux qui parlent français. Parce qu'il ne s'agit pas là de la cuisine de ma mère, il ne s'agit pas là de la cour de mon père, il s'agit tout simplement du Cameroun et dans sa diversité et dans sa beauté. C'est le moment pour nous de démontrer la diversité du Cameroun, mais aussi de montrer que face à un problème au Cameroun, l'étranger, celui qui est contre le Cameroun, contre le peuple Cameroun, aura en face de lui l'entièreté même du peuple camerounais. Donc, merci encore de partager ce message. Merci d'envoyer dans les groupes, que ce soit des groupes d'anglophones, que ce soit des groupes de francophones, que ce soit même les groupes de chinois. Envoyez ces choses-là. Pour ceux qui ne savent pas faire les traductions existent en ligne. Il y a des moteurs qui permettent de faire des traductions. Je vous donne un exemple, ça s'appelle Pons. Ça s'appelle Pons, P-O-N-S. P-O-N-S, ça s'écrit de cette façon-là. Ça vous permet de faire des traductions de textes. Et avec ce moteur-là, vous avez des textes qui sont traduits en des langues que vous choisirez. Donc, merci encore. Merci encore. Donc, une pétition. Quand on dit une pétition, je viens de lire un commentaire de quelqu'un qui nous dit une pétition de faux profil. Non, il faut comprendre qu'il y a une différence entre les faux profils, comme nous le disons dans Facebook, et des faux profils. En réalité, un faux profil, en réalité, ça tombe dans le coup de ce qu'on appelle l'usurpation d'identité ou bien trafic ou bien falsification d'identité. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle des personnes qui ont plusieurs comptes email. Moi, par exemple, je peux avoir deux comptes email parce que chacun d'entre individu a trois représentations. Il y a la personne, la personnalité et ce que vous faites de vous. Donc, et celui qui a un hobby, par exemple, a la personne qui représente son hobby. Qui est un sportif, peut-être qui joue au basketball, qui fait du sport, qui fait de la danse, qui est dans le club de lecture. Là, c'est ton hobby. Ça a une personnalité, une représentation de vous. Maintenant, professionnellement, quand vous allez travailler, monsieur tel, 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 vous êtes dans le cadre professionnel, vous avez un email qui répond à cela. Dans le cadre du hobby, vous avez une représentation, vous avez un email qui répond à cela. Maintenant, en tant que personnalité quelque part, vous avez aussi un email qui répond à ça. Donc, ce n'est pas mauvais. Si vous pouvez identifier vos emails et dire que c'est vous qui avez les emails là, mais ça ne vous empêche pas de signer pour marteler votre détermination vraiment à ce que les choses changent dans votre pays. Personne ne pourra condamner ça parce que ce n'est pas contre la loi, ce n'est pas enfreindre la loi puisque vous êtes personne identifiable, vous êtes une personne qui existe. Vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas un automate comme on dit chez les Allemands. Donc, je reviens encore du côté de Paris pour avoir mon correspondant, hein, mon correspondant et partenaire de ce soir. Donc, Nino, je reviens vers toi. Nous sommes exactement 6 000. Oui, Stevie Sam, vraiment, merci pour ce point que tu viens d'éclaircir concernant les profils qu'on demande là. Tu as si bien dit que je n'ai même plus rien à ajouter. Ok, Diable dans un système, à vos top pour contre-top. Et si à vos top, c'est à vos top pour contre-top.
c'est na awa country talk. Et lui, c'est lui, abi son abessoye. Abi bamenda pikin, abi banante, de bon mi, for douala, but at the age of 10, abi don't go mi bamenda. Abi don't follow my papa, then go bamenda. And una no se we banante de talk se, ibi son abessoye, no be lie. Una no se for that side for Bali. Banante dem dede na. Banante dem dede, but we na bamenda people. If a passport come out today for Ambazonia, that one, the way they did, that banante, the way they did Bali, they will take the which passport? They will take Ambazonia passport. Because they are there. They are living there. They've been born there. So my brother, this fight now for all we. Who do one move, mademoiselle? Mademoiselle, why don't die today? COVID-19, who do call her mademoiselle? He reigning between a mademoiselle. COVID-19, why die? He named between a mademoiselle. Our struggle today now for remove that people then, who know say mademoiselle don't die, but people them feed them for that Yaoundé. That very Yaoundé, where plenty of una them, plenty of my brother them dey dey. Who are they go for Obili? Who are they go for Mesa? Who are they go for Cité Verte? Who are they go for Etugobe? Who are they go for Monte Anne? And Rouge? Who are they go for Kradat? Na susu my country people them dey dey, na susu Abakwa people them dey dey. And who like Nyanga? Who like for Green? I want to tell you now, I want to ask you now one thing, my people the way they are only. First, my start with you now. If you get to go out today, because I know say confinement for Cameroon at zero, in Japan the confinement for Cameroon. If you want to go for snack, where don't you don't for snack, they drink one beer. Just take, remove your iPhone, remove your Samsung Galaxy. Where your girlfriend, where you get for your economy, just open that link for that petition. Tell you say, sign that petition. Now one fight or the fight. You two, you sign one. If you get for that table, you not attend. Na 10 signature that my brothers. I get faithful now. Because when I decide say I go do something, una de bring them to the end. My brother, the word de Bamenda, na Grand Sergio, na me de call una. And they say, direct, maybe say, oh, una must go for direct. People, them, they were there for work. They will come back for this evening. They will listen that direct. Go, they know, be the talk for the way Marisha be the talk. Who our brother, una brother be the talk. Una go for cyber. Plenty of una, una no get. iPhone, una no get Galaxy, una go for cyber cafe, una see one friend where they on top machine, una tell his brother, give me 1 minute, I enter my computer, my box, my Facebook, you sign up, you tell his brother, sign them too, just sign them, no ask them, say you sign up for what you, or the fight, not the same fight, una wanna get Bonaberry for Guala, not the same thing, and the fund them there for Bonaberry where they don't run war, they get more than 10,000, I need 10,000 signature. My brother, this thing, now for most that people who they see the 10 power for me. Where they will come out, if we Ambazonian, I say we, no big mistake, I am Ambazonian. We Ambazonian. If we want to take our country, no first move people the way they did for that neighboring country where they call them, say, Cameroon. For that neighboring country where they call them, say, La République, my dear brothers. Now the wages, now one of our wages for give back punch, we would over receive them. That people, they would over knock me. French people, them don't cause that war. We don't kill our brothers. We don't kill 30,000 people of our Ambazonia brothers. Oh, my dear people, my dear brothers, we have to do something. We have to fight back. We have to give back the punch to France. If we beat this ambassador, it means we don't beat France. And if we beat France, it means we don't beat white man. We will not beat them. Only for fear. We no kill them. I want all the key soldiers for La République. We kill them too politically. We show them shame. My dear brothers and sisters, let me speak to you in English. We have to do this. This is our common goal. We have something together. We are one nation. We have a nation to save. This is our time to give back what we couldn't do before. Because these guys, they gave us one opportunity. And we have to seize this opportunity. One shot. Yes, Eminem, sang it. Eminem, one shot. Go and listen to that tape. One shot. You only get one shot in your life. Or to do right or to do bad. My dear brother and sister, we have to be on the right side. We're on the right time. When the day will come, we'll celebrate the big show together. Sign this petition. Chef Régisseur, allez signer. À vous le studio. Merci encore toi Nino. Donc, comme Nino a dit, il faut être du bon côté de l'histoire. Il faut avoir la possibilité d'utiliser une balle comme un sniper.
Il a fait référence au son de Eminem. Vous connaissez bien le son d'Eminem, One Shot. Donc, merci encore pour cette approche-là. Je sais que le pidgin, c'est pas trop mon fort, mais je vais apprendre, je vais apprendre. Je vais faire un stage de vacances chez les Amazoniens. Je vais apprendre le pidgin. Donc, merci encore pour les signatures. Vous voyez, on est pratiquement déjà à 6224 signatures. Je demande encore qu'on passe. Essayez de faire un dernier tour de partage dans vos pages. Faites un dernier tour de partage. Comme ça que les personnes qui vont venir se connectent et qu'elles essaient aussi de signer. Donc vraiment, je ne vais pas être long ce soir. J'espère qu'on a quand même essayé d'apporter notre contribution à cette signature-là. Merci encore à toi, Sylvie, d'avoir partagé, d'avoir signé et partagé. Merci encore vraiment. Donc, faites un dernier tour de partage, comme ça que les gens nous rejoignent et qu'ils partagent aussi de plus belle cette pétition-là. Nous devons pousser, pousser, pousser de telle sorte que ce soit déjà les dés soient jetés et que ce monsieur rentre chez lui. C'est important pour nous de donner un signe fort, de montrer à ces messieurs de la France-Afrique que nous, ils sont en face aujourd'hui d'un peuple noir éveillé. Ils sont en face aujourd'hui des noirs qui sont même 3 fois plus intelligents qu'eux. Ils sont en face des noirs qui sont 3 fois plus forts qu'eux. Ils sont en face des noirs qui peuvent jouer le jeu de la géopolitique mieux qu'eux-mêmes. Donc c'est pour ça que nous devons démontrer à ces Occidentaux que nous, aujourd'hui, nous prenons notre destin en main et que nous sommes prêts à signer pour que ce monsieur parte d'abord du Cameroun et après que nous prenions notre souveraineté. Parce que la qualité de politique qu'il faisait à l'époque, où il faisait croire par exemple à des messieurs qui sont malades et après prenait le hold-up constitutionnel comme il le faisait à l'époque, comme on l'appelle aujourd'hui, ne peut plus marcher sur nous parce qu'on est un peuple averti. Et vous voyez, voilà, il y a près de 6 000 signatures. Continuons, partagez, 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 qu'on ait le maximum de signatures. Donc, du côté de l'Allemagne, la pétition existe en allemand, il y a une version traduite en allemand. Du côté de l'Angleterre et des États-Unis, on attend encore qu'il y ait une traduction en anglais. Mais je crois que tout est fait ici pour que chacun comprenne, parce que la plupart des Camerounais dans le monde parlent français et anglais. Donc on espère que le message passera bien déjà de tous les 4 coins du monde entier. Merci encore à tous ceux qui nous ont écoutés. C'est Stevie Sam, j'étais aujourd'hui avec Nino du côté de la France pour vous parler de la pétition qui a été lancée. Pour faire partie, l'ambassadeur Guilou qui s'est joué à un jeu de représenter le président du Cameroun et de faire croire que Paul Biya est au pouvoir parce qu'il veut éviter qu'on déclare la vacance du pouvoir. Donc, je dis déjà merci à tous ceux qui, avec nous aujourd'hui, ont pu signer cette pétition. Je dis merci à ceux qui, parmi nous et avec nous aujourd'hui, ont partagé cette pétition de façon que les Camerounais signent massivement cette pétition. Et je dis enfin donc un merci particulier à celui avec qui j'ai présenté cette rencontre aujourd'hui, Nino, du côté de France, qui a daigné être là pour que nous échangeons et que nous essayons un peu d'expliquer aux Camerounais l'importance de faire paraître cette pétition, l'importance de démontrer aux Camerounais qu'il n'y a qu'en défendant son pays qu'on peut faire vraiment amende honorable et montrer aux yeux du monde entier que voilà, nous aimons notre pays et que nous sommes prêts à tout pour défendre l'intégrité de notre pays, parce que c'est un devoir de citoyen, c'est un devoir moral, c'est un devoir citoyen, c'est un devoir humain de défendre les valeurs de son pays, c'est un devoir normal en tant qu'enfant, fille, mère, père d'une famille, de défendre l'intégrité de son pays. Donc, on était obligé de venir ensemble pour que vous compreniez que c'est un travail important, c'est un travail de nécessité, c'est un travail de fond qui doit être fait. Donc, merci encore à toi, Nino, de nous avoir soutenus dans ce travail-là. Merci encore pour les messages que tu as apportés. Vraiment, ça me fait plaisir. À moins que tu aies quelque chose à dire pour conclure avant qu'on ne finisse l'émission. Cher Stevie, je vais finir en copiant, comme je l'ai toujours fait, mon président de la République du Cameroun, Maurice Kamto. Et lorsque j'aurai dit ça, tu prendras le studio pour la fin. Parce que je ne dirai plus rien après ça. Comme Albert Zonga l'a si bien dit, quand le chef parle chez nous, il n'y a plus rien. Je finis. J'ai pris mes responsabilités. Merci à toi. Donc, le maréchal Nino a pris ses responsabilités. Vous avez compris ce qu'il veut vous dire. Donc, le professeur Maurice Kamto vous a dit, il a déclaré, il a confirmé qu'il y avait une vacance du pouvoir. Il a demandé qu'on constate la vacance du pouvoir. Et lorsqu'il a demandé qu'on constate la vacance du pouvoir, vous avez vu ce qui s'est passé au Cameroun. L'ambassadeur français a été obligé de venir jouer au jeu pour empêcher qu'on constate la vacance du pouvoir. Donc, on voulait aujourd'hui vous montrer qu'il faut qu'on signe au maximum cette pétition pour qu'après être sorti de la CATV, il fasse bagage et qu'il rentre chez lui à Paris. Donc, merci encore de nous avoir suivis dans ce direct. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube qui porte le même nom que ma chaîne Facebook. Merci encore de suivre le BFR. Merci de suivre Maréchal Nino sur sa page qui porte le même nom, Maréchal Nino de Nino.
Donc, je crois que tout a été dit pour ce soir. Continuez de partager cette pétition, signez-la, envoyez-la dans les groupes. Et c'est important aussi d'expliquer aux gens pourquoi il faut signer cette pétition-là. J'espère que vous avez eu suffisamment d'arguments pendant ce direct pour expliquer aux autres personnes la nécessité de la signature de cette pétition. Je me réjouis d'avance et j'espère que à partir de lundi, on pourra avoir déjà bientôt dans les 7 000, 7 500, 8 000, 10 000 signatures pour démontrer la force de l'Africain, la force du Camerounais en particulier. On se retrouve dans une autre fois. Merci de nous suivre.